Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le Marquis siège à la Convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du Palais Royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh que non. Une livraison de vin pour le palais. On porte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur Le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen Le Pelletier. Citoyen Talien. Ce vin a été coupé au sucre de plomb. Un seul verre et... Ça pourrait être utile. Je ne sais pas de quoi vous... Je fais ce métier depuis 30 ans, mon garçon. Je sais reconnaître du vin fralaté. Pardon, mademoiselle. Monsieur Le Pelletier s'est plaint que son bureau... Ceci pourrait-il vous convaincre? Oh oui, monsieur. Rémi, ouvre la fenêtre! Monsieur Le Pelletier aimerait qu'on aère son bureau! Mais tu disais que... Fais ce que je te dis! Très bien! Nous nous connaissons, citoyen.
Maudit royaliste! Garçon. Oui, monsieur. Une bouteille de votre meilleur vin. Comment vas-tu aujourd'hui? Ce soir, nous fêtons la mort de la tyrannie. Tout de suite, monsieur. David, une minute. Apporte-moi une bouteille de Château d'If, et vite. Ça fait des heures. Ah, c'était sûrement sans importance. Un espion? Plutôt un voleur. Souffrez-vous des jambes? Je ne l'aurai pas cette fois. Très bien, David. Je ne t'avais même pas vu arriver. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Rien, ma chérie. Ça fait des heures qu'on attend. J'ai l'estomac un peu dérangé, voilà tout. Va, va retrouver ta nourrice et dis-lui de te ramener. Je vous rejoindrai bientôt. Bien, papa. Doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. La sorte. Assisterez-vous à l'exécution demain? Bien entendu. J'hésite encore à m'y rendre. La foule, voyez-vous. La foule? Ne me dites pas que vous la laisseriez vous priver d'une page d'histoire. Je resterai à l'écriture. Je me languis de toi. Je dois le manger la cervelle. Maudit. Je ne sais pas.
Je suis mort. Allons,